Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 44 de Au Coin du DVD. Épisode 44 qui sera donc sous le signe de la lettre W, étant donné qu'on a fini avec les V. Euh, lettre W, j'ai pas tant de films que ça dans la lettre W. J'ai des films que j'apprécie énormément et qui sont plutôt cool, mais que vous connaissez, comme Watchmen par exemple. Qui est un long métrage plus que culte. Euh, j'ai hésité à vous parler d'un autre film de John Carpenter qui s'appelle The Wards, euh, mais je me suis rendu compte que j'avais pas tant de choses que ça à dire autour de The Wards, que j'en avais déjà pas mal parlé dans la chronique de Ghost of Mars. Et donc, pour le coup, j'ai décidé de me pencher sur un réalisateur que je pense vous connaissez très bien. Un réalisateur hongkongais qui, dans le courant des années 90, est passé aux États-Unis a pondu quelques films notamment l'excellent Volteface mais dont on a tendance à oublier le dernier long-métrage qu'il a réalisé sur le sol américain un long-métrage que pourtant personnellement j'apprécie énormément je trouve très inventif et surtout que j'estime être l'une des plus belles performances de la part de Nicolas Cage il s'agit de Wind Talkers réalisé donc par John Woo euh, C'est un film absolument dingue parce qu'il raconte une histoire qu'on a eu tendance à souvent oublier. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, quand les Américains euh, étaient en train de débarquer sur l'île japonaise, euh, ils avaient envie que leur message ne soit pas identifié en fait par les Japonais. Et donc ils ont décidé de prendre des Amérindiens, qu'ils ont embarqués sur le conflit et qui en fait permettaient de transférer des messages... Euh, d'unité à unité pour pouvoir justement réussir à devancer les opérations japonaises. Ce qui leur a permis quand même de bien progresser sur l'île. Et ce film relate l'histoire d'un marine américain et d'un marine amérindien qui vont se retrouver à faire équipe et qui vont avancer ensemble. L'histoire est très 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 forte. Elle, a, elle porte en elle un message très équivoque parce qu'à l'époque, mine de rien, on était sur le début des années 2000. Et même si euh, le devoir de mémoire avait fait son petit bout de chemin, il est vrai que la place des Amérindiens euh, dans la Seconde Guerre mondiale, on avait tendance à clairement l'oublier. Et quand je dis clairement l'oublier, c'est qu'elle avait été oubliée. Et John Woo qui débarque et qui dit j'ai envie de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet que j'ai envie d'évoquer parce que j'ai fait le tour du cinéma d'action classique à l'américaine. Maintenant, j'ai envie de proposer un film qui me soit personnel. Manque de peau, le film n'arrivera pas à rencontrer la critique ni le public. Encore aujourd'hui, est considéré comme un des films mineurs de la part de John Woo, alors que pour moi, c'est un film extrêmement important. Un film qui non seulement rappelle que John Woo maîtrise sa mise en scène, mais également qu'il a envie de porter un message qui soit impactant pour le spectateur. Et Winged talkers est extraordinaire de ce point de vue-là. En termes de message, le film est plus que évocateur. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre rapidement que le long métrage n'a pas juste pour but de raconter un vague passage de la Seconde Guerre mondiale, mais a vraiment envie de porter un message et de surtout rappeler la mémoire de ces personnes qui ont permis quand même aux Américains de gagner du terrain. Euh, et le film est, qui plus est, un bel exercice de mise en scène, beaucoup plus sobre que n'ont pu être les deux précédents métrages qu'a fait John Woo sur le territoire américain, qui étaient donc, si je ne me plante pas, Broken Arrow et Volteface. Broken Arrow étant un pur exercice de style pour un scénar quasi proche du nanar, mais l'exercice de style est fantastique à regarder et retourne le cerveau. Et Volteface, c'est à la fois un exercice de mise en scène et un beau film de science-fiction. Bon, pas non plus extraordinaire non plus, mais un vrai film de science-fiction extrêmement ambitieux. Et en termes de mise en scène, c'est juste démentiel. Et là, il avait envie un petit peu de combiner les deux. De proposer un scénario qui soit assez intelligent pour porter le film et d'accompagner ça d'une mise en scène qui soit peut-être un petit peu plus posée et qui soit plus réaliste, mais qui ait tout autant d'impact sur le spectateur. Et Win c'est exactement ça. C'est une mise en scène qui est juste, qui est fidèle à l'histoire, qui cherche en même temps à peindre l'horreur de cette guerre tout en étant également très crédible dans son évocation de celle-ci et en plus qui veut se permettre d'être un vrai film de guerre assez dense, assez ambitieux et assez monumental finalement dans son envergure le film, ayant des séquences de guerre qui sont déchirantes et qui sont absolument poignantes et je trouve le film extraordinaire de ce point de vue-là. Qui plus est, le film se repose sur des interprètes qui sont vraiment fous. Enfin, encore une fois, je le répète, il y a Nicolas Cage en tête d'affiche de ce film et Nicolas Cage... Euh, à l'époque, c'était son heure de gloire et là, il était sur la fin un petit peu de son heure de gloire. Et pourtant, il arrive à porter le film de manière très intelligente et c'est une nouvelle collaboration pour John Woo avec Christian Slater et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu une synthèse de son passage aux États-Unis parce qu'il a pris son acteur qui portait littéralement à bout de bras euh, Volteface Nicolas Cage et il prend également l'acteur qui portait Broken Hero à bout de bras, c'est-à-dire Christian Slater, et il combine les deux. Et c'est assez fascinant parce que il a fait trois gros films américains, quatre si on compte Chasse à l'homme, mais dans les trois gros films américains, il a combiné à chaque fois son casting. Premier Broken Hero, il combine John Travolta et Christian Slater. Deuxième, il combine John Travolta et Nicolas Cage. Et dernier, qu'est-ce qu'il fait Nicolas Cage et Christian Slater. C'est bon, la petite anecdote un peu rigolote, mais moi ça me fascine toujours de voir à quel point il avait sa petite équipe et il avait envie de s'éclater. Il y a bien sûr euh, Mission Impossible 2 qu'on peut compter dedans, mais je le compte presque à part parce que il est très très fumé par rapport aux quatre autres films que j'ai testés et Mission Impossible 2 est un petit peu bizarre pour le coup, même s'il vaudrait des heures et des heures d'analyse, il reste un petit peu bizarre. Mais vraiment, Winged talkers enfin. Bon, là-dessus, j'ai pas grand-chose de, de très intéressant à vous proposer niveau bonus parce que cette édition, euh, comment dire, la Warner a été très radin. C'est-à-dire qu'il y a juste la bande-annonce et des spots télé. Donc il n'y a pas vraiment de bonus là-dessus. Mais d'ailleurs, le film est assez obscur en termes de bonus. Hein. Si vous allez voir sur internet, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui fait un peu peur parce que ça veut dire que le film est complètement tombé dans l'oubli. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est parce que ce film ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est un film extrêmement ambitieux de la part d'un cinéaste qui avait envie vraiment de sortir de sa zone de confort et qui nous a proposé un long métrage qui est vraiment impressionnant. Et pour le coup, ouais, Wind Talkers, si vous ne l'avez jamais vu, Regardez-le parce que pour moi c'est un des meilleurs films de John Woo, c'est un film à l'intelligence surprenante, à la mise en scène très juste qui va jamais en l'extravagant. C'est vraiment un metteur en scène qui a compris ses erreurs et qui a envie de les rattraper au cœur d'un film qui portera un sujet fort. C'est vraiment John Woo qui nous dit "C'est bon, c'est mon dernier film aux États-Unis. Regardez-le et ensuite je me tire et je rentre chez moi." Donc c'est vraiment un film à voir pour le coup. Ainsi s'achève cet épisode 44 de Au coin du DVD, j'espère qu'encore une fois il vous aura plu. Si vous n'avez jamais vu Windtalkers ou si vous comptez le voir comme d'habitude, dans les commentaires vous mettez votre avis. Et vous me dites d'ailleurs ce que vous pensez aussi de John Woo, parce que mine de rien c'est un réalisateur très clivant. Euh, Tsu Yark étant encore plus clivant mais lui étant déjà une bonne petite incursion dans le genre et il a tendance à encore diviser aujourd'hui donc si vous avez un petit avis à me donner sur John Woo, n'hésitez pas non plus je serai ravi de le lire et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD